Et alors? Parlez donc. Allez-y, nous vous attendons. Nous avons tous déployé beaucoup d'efforts. Nous avons examiné le ciel et étudié les mouvements des étoiles et des planètes. Nous avons imploré l'aide des âmes de nos ancêtres ainsi que celle des diables et des sorciers, sans trouver une explication plausible ni acceptable. Jusqu'à présent, il n'y a aucun rêve que nous n'ayons pu interpréter. Mais celui de Sa Majesté est tellement différent des autres rêves. Ce rêve est un grand mystère pour nous. Un rêve qui est insolvable et inexplicable, qui nous a complètement déroutés. Nous n'avons trouvé aucun lien entre vos rêves et toutes nos connaissances. Tout ce que nous avons pu conclure est que la vache, dans la mythologie égyptienne, est le symbole d'une année. C'est tout. Une année? Une année. Le Nil a donné naissance à un moustique. Et la montagne a donné une souris. Est-ce l'interprétation de mon rêve? Alors la vache symbolise une année? Hmm? À toi, Yuzarsif. C'est ton tour. Quelle est donc ton interprétation? Ce n'est pas une interprétation, car votre rêve est plutôt une prédiction. L'interprétation est fondée sur des suppositions subjectives et peut ne pas se réaliser, tandis qu'une prédiction est basée sur une réalité dont l'origine est divine. C'est pourquoi ce que je prédis va se réaliser sans aucun doute, et rien ne peut changer ou modifier cette réalité. D'où te vient toute cette confiance, Yuzarsif? Tu sembles très sûr de tes prédictions. Dieu m'inspire et m'apprend tout. Dieu est mon unique guide et c'est lui qui m'a appris l'interprétation des rêves. Ce que tu viens de dire est de la prétention pure. Et tu as un long chemin pour prouver ta prédiction. Ce que vous prétendez, toi et ton Dieu, sont de vagues suppositions. Et c'est bien clair. Si vous me permettez, je vais divulguer quelques détails pour prouver la vérité de mes prédictions afin de montrer à tout le monde le pouvoir de mon Dieu. Si le vénérable Anekmaou ne voit pas d'inconvénient, j'aimerais interpréter le rêve avec lui. Un de vos magiciens a dit que la vache était le symbole d'une année dans la mythologie égyptienne. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Nous n'avons pas aucun doute. Êtes-vous d'accord avec moi que le rêve des vaches et celui du blé sont semblables et cachent la même vérité? Je crois que vous avez raison. Les tiges vertes du blé ne sont-elles pas un signe de fertilité et d'abondance, alors que les tiges sèches sont un signe de sécheresse? Je ne vois pas du tout une autre explication. Si nous prenons en considération tous ces signes, nous pouvons conclure que l'Égypte va avoir 7 ans de fertilité et d'abondance, suivis par 7 ans de sécheresse et de famine.
Bravo. Je te félicite, Yuzarsif. C'est la meilleure interprétation que j'ai obtenue jusque-là. C'est certainement la meilleure interprétation. Je ne peux que respecter et admirer Yuzarsif. As-tu vu, vénérable Anikmao? Je ne t'ai-je pas dit auparavant que ces magiciens sont un groupe d'arébistes et de menteurs? Ils se basent sur leurs imaginations fertiles pour inventer... des interprétations qui n'aboutissent à rien. Cette interprétation peut être correcte. Alors qu'une prédiction qui pourrait être loin de la réalité ne peut pas être considérée comme très sérieuse. Avez-vous jamais entendu que... le Nil a cessé d'arroser la terre d'Égypte et de faire vivre son peuple? Cette prédiction convient au pays qui se trouve au sud de l'Égypte. Et surtout pas à une terre qui est connue par sa fertilité grâce au Nil. Et pourtant, vénérable, il nous est parvenu de nos ancêtres que le Nil a séché plusieurs fois dans le passé, au point que même les oiseaux ne pouvaient plus étancher leur soif. Votre Majesté, même si la prédiction de Yuzarsif est tellement invraisemblable, il ne faut pas négliger une telle éventualité, et il faut commencer à prendre les précautions nécessaires. Cette prédiction nous montre qu'un grand danger menace l'Égypte dans un avenir proche. Que devons-nous faire? La seule solution est de cultiver les terres durant les 7 années d'abondance, et mettre en réserve les récoltes pour les années de famine pour sauver le peuple. Magnifique. Tes paroles sont pleines de sagesse. Ta solution est aussi parfaite que ton interprétation. Ceci veut dire que les prochaines 14 années de notre royaume vont dépendre d'une vision? Pourriez-vous nous suggérer une meilleure solution? Supposons que cette éventualité pourrait survenir. Ne devons-nous pas faire un effort pour sauver le pays d'un tel danger? Bien sûr. Mais d'autre part, il faut bien aussi prendre en considération que 14 années sont trop précieuses pour être sacrifiées à cause d'une simple vision. Nous ne devons pas dépenser tout l'argent pour nous préparer à cette catastrophe qui pourrait ne pas arriver. Il est quand même censé de se préparer et de prendre des précautions. Et si cette prédiction se réalise? Si nous ne prenons pas les mesures convenables, comment ferons-nous face à la famine? C'est une chance que d'être averti pour que nous puissions être préparés. Maintenant que nous en sommes conscients, nous pouvons repousser ce danger qui nous guette. Nous devons surtout remercier Yuzarsif parce qu'il vient de nous avertir d'un tel danger. Nous remercions aussi le dieu de Yuzarsif. Parce qu'il a de la compassion même pour ceux qui ne croient pas en lui. Je crois que vous avez tous su l'histoire de l'innocence et de la grandeur d'âme de Yuzarsif. Et aujourd'hui, vous avez été témoin de son... intelligence et de sa sagesse. Vous avez dû constater aussi qu'il est doué d'une grande clairvoyance. Dès aujourd'hui, il sera considéré l'un des nôtres. Yuzarsif va être nommé au plus haut poste. Il va devenir notre premier conseiller. Aujourd'hui, je suis heureux. Pour cela, je ne vais pas punir les magiciens afin de ne pas gâcher ma joie. Nous avons tous assisté à la déchéance des dieux d'Égypte, ainsi que les prêtres et les magiciens du temple d'Amon. Et vous avez constaté qu'il y a un dieu beaucoup plus puissant que le dieu Amon. Maintenant, rassemble tes hommes et sors d'ici avant que je ne donne libre cours à ma colère.
Tu n'es qu'un vieil homme imbécile. Tu n'as pas pu fermer ta gueule avant de prononcer tes commentaires stupides. Tu vis grâce au bien d'Amon et tu le rejettes pour son ennemi. Mais ses interprétations étaient parfaites et il fallait être juste et l'admettre. Qui t'a demandé de prendre la parole, imbécile? Pourquoi n'as-tu pas tenu ta langue comme les autres? Pourquoi as-tu montré à notre ennemi qu'il avait raison? Tu viens de nous trahir, espèce d'idiot! Vénérable Anekmao, pourquoi frappez-vous les magiciens du temple? Bah, diamant! Oui, vénérable. Prends-le loin d'ici. Au secours. Arrêtez. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas trahi. Pardonnez-moi, vénérable. Grand prêtre, pardonnez-moi, ayez pitié de moi, je vous en supplie. Le temple d'Amon et ses prêtres n'ont jamais dû faire face à une telle disgrâce. Sans doute, ce grand scandale ne va pas tarder à circuler dans toute l'Égypte. Les gens vont dire que le dieu de Usarsif, cet hébreu, un dieu unique, le dieu de ce berger et de cet esclave sauvage est plus puissant que notre grand dieu Amon, le dieu des dieux. Ils vont dire aussi que Usarsif, ce jeune homme sans expérience, a pu finalement vaincre les grands magiciens du temple d'Amon et de toute l'Égypte avec son interprétation. Surtout que les Égyptiens honorent et respectent les magiciens comme s'ils étaient leurs propres dieux. Amon, dieu des dieux, ayez pitié de nous. Combien de temps encore allons-nous vivre les conséquences de ce scandale? Excuse-moi, est-ce que tu es un des serviteurs du palais? Qu'est-ce que tu veux? Joseph, désolé, est-ce que tu connais Usarsif? Qu'est-ce que tu veux de lui? Est-ce qu'il se trouve au palais en ce moment? Probablement oui. Écoute-moi, je suis un ancien ami à lui. Toi? Un ami à Usarsif? Malek. Malek, le fils de Zar. Dis à Usarsif que Malek l'a cherché pendant plus de 20 ans. Selon l'interprétation de Usarsif, nous devons nous attendre à une grande famine dans les années à venir. Il faut alors anticiper et trouver une solution. Nous devons trouver la personne adéquate qui soit à la hauteur de cette responsabilité et qui soit un homme de confiance. Je m'adresse à vous, les nobles d'Égypte, et je vous demande si vous connaissez un tel candidat. Oui, nous connaissons quelqu'un. Potiphar est le meilleur candidat. Il a beaucoup d'expérience. Votre Majesté, Potiphar est le meilleur candidat. Il a beaucoup d'expérience. Potiphar est malade en ce moment. Il n'a plus ni l'âge ni l'énergie pour une si grande responsabilité. Votre Majesté, la personne que je vois digne de ce poste est le commandant Orenop, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Orenop possède sans doute beaucoup de qualités. Mais ce qui lui convient le mieux est le domaine militaire, et non les affaires relatives à l'agriculture. Joseph,
Tu dois prendre en charge cette grande responsabilité. Il faut que tu l'acceptes. La volonté du Dieu te dicte d'imposer ton autorité sur toute l'Égypte. Je vous demande, Majesté, de me donner ce poste et de me nommer trésorier du pays ainsi que gérant des affaires de l'agriculture. Je garantirai la protection du peuple ainsi que leurs terres et leurs récoltes. De plus, je saurai prendre les mesures nécessaires pour protéger ce pays et gérer votre royaume. C'est vrai. Tu as déjà toute ma confiance. Je suis sûr que tu vas exceller dans ces diverses fonctions. Dès ce jour, je te nomme intendant des affaires de l'agriculture pour que tu diriges toute l'agriculture du pays. Et j'annonce à tout le monde que l'honorable Yousarsif est devenu désormais le premier conseiller du pharaon d'Égypte. Bien qu'il soit expert, il n'est pas égyptien. Crois-tu qu'il sera capable de prendre en charge cette responsabilité, là? Oui, je pense ça. Est-il vrai que son Dieu unique est beaucoup plus puissant que tous nos dieux réunis? Il doit l'être, car tu n'as pas vu comment il a fait taire Anekmao et comment les magiciens du temple se sont inclinés? Charger un étranger d'une telle fonction dans notre pays est sans aucun doute une grande honte pour les nobles d'Égypte. Maintenant, écoutez-moi bien, nobles d'Égypte. Vous connaissez bien la place que les magiciens ont parmi le peuple. Une place difficile à obtenir. L'honorable Yousarsif est unique et plus compétent que nos meilleurs magiciens. J'ai décidé d'organiser un festin pour lui montrer l'honneur et le respect que nous lui devons. Est-ce que l'honorable Yousarsif a des souhaits? J'aimerais réaliser tous ses souhaits. La générosité que m'a montré Sa Majesté aujourd'hui est sans égale. Ce que je souhaite poussera encore plus loin cette générosité. Je vais réaliser toutes les faveurs de l'honorable Yousarsif. J'en ai seulement deux. La première est que vous donniez l'ordre de libérer les dames de la prison. Et la deuxième est de libérer les prisonniers de Zawira. Et je me porte garant de leur comportement et de leur bonne conduite. Nous avons emprisonné les dames à cause de vous. Si vous insistez, nous les relâcherons. Mais apparemment, tu as oublié que Zulaïkha est à l'origine de ta détention durant toutes ces années. Oui, c'est vrai, Votre Majesté. J'ai fait beaucoup d'efforts pour tout oublier. Mais vous avez été emprisonné et souffert longtemps à cause d'elle. C'est une traîtresse et une femme obsédée. Elle doit être punie. Personnellement, je n'ai jamais pensé à prendre ma revanche. Celui qui incite les autres à être tolérants et à pardonner ne peut jamais être porté à la rancune. Nous avions pensé que tu allais chercher à prendre ta revanche de Potiphar et de Zulaïkha. Je voulais uniquement prouver mon innocence. Non seulement je refuse de me venger d'eux et de les emprisonner, mais aussi je souhaite que tous les innocents sortent de la prison. Il est inacceptable de libérer les prisonniers de Zawira. Ce sont des hommes dangereux. Ils ont déjà désobéi au gouverneur et au dieu Amon. Certains ont déjà trahi le pays. Et ces crimes sont inadmissibles. J'ai vécu avec eux pendant plusieurs années, et je peux garantir leur bonne conduite car ils ont beaucoup changé. Ils ne sont plus les criminels que vous avez condamnés. Tu possèdes tout le pouvoir. Tu as le droit de commander et d'agir à ta guise. Tu as aussi le droit de signer et d'ordonner des décrets auxquels tous doivent se conformer. Donne tes ordres, et ils seront exécutés sur le champ. Je remercie infiniment Votre Majesté.
Appelle ton responsable. Bienvenue au commandant. Salut. J'ai eu lettre de la part du commandant Orenop. À qui est-elle adressée? À l'honorable Kidamen. Que le dieu Amon vous protège. Et vous aussi. Ouvrez la porte. Écoutez tous. Faites attention. De la part du conseiller de Sa Majesté au directeur de la prison de Zawira. Après avoir eu connaissance de la bonne conduite des prisonniers de Zawira et ayant pris en considération que la plupart des prisonniers sont innocents ou ont été injustement condamnés sans avoir commis de crime, alors nous voyons qu'il est nécessaire d'accorder l'amnistie à tous les prisonniers. Enfin, nous demandons selon ce décret de libérer tous les prisonniers de Zawira. Le conseiller du pharaon d'Égypte, Yousarsif. On a été libérés. Enfin libérés. Allez. Vive les enfants. Nous sommes libres. La prison de Zawira est intolérable sans Yousarsif. J'aurais aimé être libre comme les prisonniers. Pour rejoindre Yousarsif avec eux. Oui, ce que vous dites est tellement vrai. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Oui. Selon le conseil du pharaon, l'honorable Yousarsif, vous êtes libre. Qu'est-ce que tu as dit? Yousarsif est devenu le premier conseiller de Sa Majesté? Oui, c'est vrai. Avez-vous entendu? Yousarsif est devenu le conseiller de Sa Majesté Amenhotep. Réalisez-vous ce que ça veut dire? Ceci veut dire que même Sa Majesté est tombée sous son charme. Personne ne peut connaître Yousarsif sans être fasciné par lui.
Et ce n'est que le début. Désormais, tout le peuple va être envoûté par lui. Cette fois, il n'y a pas de palanquin pour toi, Zulaïra. Tu dois rentrer à pied. J'ai entendu dire que les prêtres paraissaient faibles et impuissants devant lui. Tout ce qu'il prédit se réalise à la lettre. Il dit toujours que c'est son Dieu qui lui a appris l'interprétation des rêves et qu'il n'invente rien. C'est vrai. Il ne cesse pas de mentionner son Dieu. Je pense qu'il essaie de prouver que son Dieu est plus puissant que notre grand amant. Oui, oui, c'est vrai. Anekmao est très déçu aujourd'hui. Les prêtres avaient tellement honte face à lui. Il est meilleur que tous les voyants du temple. Il a prédit que l'Égypte va avoir 7 ans d'abondance et elle va endurer ensuite 7 ans de sécheresse. Nous devons nous préparer pour les années difficiles. Pourquoi doit-on se fier à ces prédictions? Parce que tout le monde dit que Uzarsif n'a jamais fait d'erreur dans ses interprétations. Et d'autre part, un homme sensé doit toujours prendre au sérieux ses avertissements. Si ces prédictions sont vraiment celles de Uzarsif, alors elles vont se réaliser sans aucun doute. Il a raison. Si nous commençons à mettre en réserve les récoltes, nous ne souffrirons pas durant la famine. Et s'il n'y a pas de famine, nous n'aurions rien perdu. Où est donc disparu, Joseph? Tout le monde ne parle que de toi. Pourquoi ne t'ai-je pas encore retrouvé? Vouliez-vous me voir? Nous ne parlons plus, toi et moi, depuis longtemps. Ah. Mais suite à tous les événements qui ont eu lieu aujourd'hui dans le palais du souverain, je pense qu'il est nécessaire de revoir quelques points essentiels avec toi et les habitants du palais. Je crois que vous vous souvenez bien que nous avons gardé Uzarsif en prison pendant 10 ans afin de prouver à tout le monde qu'il était un homme infâme et méritait d'être puni. Alors que son seul crime était de résister à Zulaïra et aux autres dames nobles obsédées et perverses. En agissant ainsi, nous avons été, Zulaïra et moi, les infâmes et les méprisables, tandis que l'honneur dont jouit Uzarsif aujourd'hui dépasse tous les honneurs que nous avons reçus dans le passé. Hier, notre crime a été découvert devant Sa Majesté Amenhotep. Zulaïra a été accusée de trahison et d'adultère, et d'injustice à l'égard de Uzarsif l'innocent. Quant à moi, j'ai été accusé de complicité avec elle pour avoir emprisonné Uzarsif.
Ce scandale doit être une leçon pour nous tous. Je vais vous confesser la vérité que j'ai bien cachée pendant ces 10 longues années. Zulaïkha a apporté le malheur et la disgrâce à son mari et sa famille. Elle a détruit notre bonne réputation et voulant suivre ses passions et ses désirs. Je dois être maudit parce que j'ai obéi à ma femme et j'ai emprisonné quelqu'un d'aussi pur et sage que Yousarcif. Je l'ai jeté en prison en sachant qu'il est innocent. Je confesse mon crime et j'avoue mon péché. Pourtant, la façon dont tu admires et tu estimes Yousarcif prouve que mon cœur n'était pas épris d'un homme quelconque. Tes paroles sont honteuses et indécentes. Tu es en train d'insinuer que l'adultère est un acte acceptable si la femme se passionne pour un homme qu'elle croit être meilleur que son mari, même si elle vit cette passion au détriment de ce qui l'entoure. Maudites soient les femmes obsédées telles que Zulaïkha, mais surtout maudits soient les hommes tels que moi, qui sont incapables de réagir contre les actes ignobles de leurs femmes infidèles. Nimisabu. Oui, votre excellence. Est-ce que tu as su que Yousarcif a été libéré? J'étais là-bas quand il est sorti de prison. Sais-tu qu'il est devenu le trésorier de toute l'Égypte et le premier conseiller de Sa Majesté Amenhotep? Oui, la nouvelle s'est répandue assez vite. Quand il a été libéré, il a immédiatement ordonné de relâcher tous les prisonniers. Un tel comportement ressemble bien à Yousarcif. Et ces dames perfides de la noblesse ont été pardonnées grâce à lui. Personne ne peut pardonner aussi facilement que lui. Je suis sûr qu'il souhaite aussi ta liberté. Mais moi... Yousarcif souhaite ma liberté? Oui. Ta dévotion pour lui est la garantie de ta liberté. Désormais, tu es... un homme libre, et tu peux rejoindre Yousarcif. Zulaïkha ne peut-elle pas avoir la même attitude que Yousarcif, tout en pardonnant et en accordant la liberté aux autres? Je suis libre. Je vous remercie, madame. Mes remerciements à son excellence Zulaïkha. Aidez-moi. Aidez-moi. Mais qui pourrait être cet homme? Tirez-le pour voir qui il est. Sortons-le d'ici et nous allons savoir. Qui est ce malchanceux? Allez-y. Tirez. Tirez plus fort. Aidez-nous vite. Est-ce qu'il s'est noyé ou tué? Mais je vois qui c'est. C'est le grand magicien du temple d'Amon.
Je suis toujours prêt à vous rendre des services de ce genre. Où est-ce que je pourrais trouver l'honorable Bas Diamant ? Honorable Bas Diamant, le grand magicien du temple d'Amon est mort. On vient de tirer son cadavre du Nil. Il est toujours là où on l'a trouvé. Suivez ce pêcheur pour voir qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'ils viennent de tirer de l'eau le cadavre du grand magicien du temple. Si c'est la vérité, ramenez-le avec vous. Oui, honorable. Quel imbécile. Tu n'as pas pu accomplir cette mission correctement. Honorable Bas Diamant, l'endroit qu'on a choisi pour se débarrasser de son corps est plein de baleines. Pourquoi alors son corps a-t-il réapparu sur la rive? Si le temple est accusé de la mort de cet homme, tu en prendras la responsabilité. Si tu commets de nouvelles erreurs, si tu ne respectes pas tes engagements et tu fais preuve de négligence, tu ne verras jamais ton argent. Va-t'en. J'ai bien accompli ce qui m'a été demandé. Je ne sais pas où les choses ont mal tourné. Va-t'en. Je ne veux pas que quelqu'un te voie ici avec moi. Disparais pour quelque temps. Je t'ordonne de partir d'ici avant qu'on ne te reconnaisse. C'est le magicien. Et toi, n'es-tu pas Binaros, les chansons d'Amenhotep? Et toi, tu dois être Niniferket. Est-ce que j'ai raison? Dis-moi, comment va ton ami Uzarsif? Il va très bien. Qu'est-ce que tu veux de lui? J'ai beaucoup de choses à faire avec lui. J'aimerais le rencontrer de nouveau. Mais où était-il? Dites-moi, où l'avez-vous trouvé? Son cadavre était coincé entre les barques, vénérable. Que cela me trouve la paix. Il était l'un des grands voyants du temple d'Amon. Je crois qu'il n'a pas pu supporter l'idée de la défaite face aux prédictions de Uzarsif. Pour cette raison, il s'est jeté dans le Nil et s'est suicidé. Il était difficile pour un grand magicien et voyant comme lui de ne pas avoir pu expliquer le rêve et d'être humilié devant sa majesté. C'est pour cette raison qu'il s'est suicidé. Allez, emmenez-le avec respect à l'ouest pour momifier son corps et enterrez-le. Est-ce que tu es sûr et certain qu'ils l'ont tué? Je n'ai pas le moindre doute. J'ai vu hier comment Bas Diamant l'a arrêté et aujourd'hui son corps a été découvert dans le Nil. J'ai vu aussi Niniferket à regarder son corps et sourire. Je suis sûr que c'est lui qui l'a tué. Anekmao l'a maltraité en sortant du palais et le pauvre lui demandait pardon. Rien n'arrête ces impitoyables lorsqu'il s'agit de réaliser leur dessein ignoble. Anekmao et les prêtres du temple n'ont pas peur de commettre tout genre de crimes. Ces gens doivent être punis. Ils ont dépassé toutes les limites avec leurs abus et leurs crimes. C'est Anekmao qui dicte au temple les lois qui lui conviennent. Même le gouverneur ne se mêle pas des affaires du temple. Avec l'aide de Dieu, je vais sauver l'Égypte de l'oppression du temple. C'est pourquoi je m'inquiète pour vous, honorable Uzarsif. Soyez vigilants.
Je me remets à Dieu et il me protège toujours. Aucun mal ne pourra m'arriver, personne au monde ne m'atteindra. Vous devez faire circuler les nouvelles de ce crime parmi le peuple pour ne pas donner aux prêtres le temps de cacher la vérité. Vous devez aussi trouver Ninifer Kepta. C'est un homme dangereux. Il va encore commettre beaucoup de crimes s'il reste libre. J'ai oublié de vous dire quelque chose, honorable. Depuis quelques jours, j'ai été abordé par un étranger. Il m'a posé des questions à votre sujet. N'a-t-il pas dit son nom ? Oui, je crois... Malek. Oui, il s'appelle Malek. Serait-ce Malek le fils de Zar ? Si. Malek, fils de Zar. Vous avez raison, c'est lui-même. Mais c'est impossible. Il m'a dit qu'il vous a cherché pendant plus de 20 ans. Oui, c'est vrai. Il faut que tu le trouves. Cherche-le partout et ramène-le chez moi tout de suite. Je suis à votre service, honorable. Malek, le fils de Zar. Malek. Est-il possible ? Votre Majesté, Poutifar. Poutifar est le meilleur candidat, il a beaucoup d'expérience. Poutifar est malade en ce moment. Il n'a plus ni l'âge ni l'énergie pour une si grande responsabilité. Votre Majesté, la personne que je vois digne de ce poste est... le commandant Orenop, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Orenop possède sans doute beaucoup de qualités. Mais ce qui lui convient le mieux est le domaine militaire, et non les affaires relatives à l'agriculture. Joseph, tu dois prendre en charge cette grande responsabilité. Il faut que tu l'acceptes. La volonté du Dieu te dicte d'imposer ton autorité sur toute l'Égypte. Je vous demande, Majesté, de me donner ce poste et de me nommer trésorier du pays ainsi que gérant des affaires de l'agriculture. Je garantirai la protection du peuple ainsi que leurs terres et leurs récoltes. De plus, je saurai prendre les mesures nécessaires pour protéger ce pays et gérer votre royaume. C'est vrai. Tu as déjà toute ma confiance. Je suis sûr que tu vas exceller dans ces diverses fonctions. Dès ce jour, je te nomme intendant des affaires de l'agriculture pour que tu diriges toute l'agriculture du pays.
et j'annonce à tout le monde que l'honorable Yousarsif est devenu désormais le premier conseiller du pharaon d'Égypte. Bien qu'il soit expert, il n'est pas égyptien. Crois-tu qu'il sera capable de prendre en charge cette responsabilité, Ena? Oui, je pense ça. Est-il vrai que son Dieu unique est beaucoup plus puissant que tous nos dieux réunis? Il doit l'être, car tu n'as pas vu comment il a fait taire Anekmao et comment les magiciens du temple se sont inclinés? Charger un étranger d'une telle fonction dans notre pays est sans aucun doute une grande honte pour les nobles d'Égypte. Maintenant, écoutez-moi bien, nobles d'Égypte. Vous connaissez bien la place que les magiciens ont parmi le peuple. Une place difficile à obtenir. L'honorable Yousarsif est unique et plus compétent que nos meilleurs magiciens. J'ai décidé d'organiser un festin pour lui montrer l'honneur et le respect que nous lui devons. Est-ce que l'honorable Yousarsif a des souhaits? J'aimerais réaliser tous ses souhaits. La générosité que m'a montrée Sa Majesté aujourd'hui est sans égale. Ce que je souhaite poussera encore plus loin cette générosité. Je vais réaliser toutes les faveurs de l'honorable Yousarsif. J'en ai seulement deux. La première est que vous donniez l'ordre de libérer les dames de la prison. Et la deuxième est de libérer les prisonniers de Zawira. Et je me porte garant de leur comportement et de leur bonne conduite. Nous avons emprisonné les dames à cause de vous. Si vous insistez, nous les relâchons. Et alors, parlez donc. Allez-y, nous vous attendons. Nous avons tous déployé beaucoup d'efforts. Nous avons examiné le ciel et étudié les mouvements des étoiles et des planètes. Nous avons imploré l'aide des âmes de nos ancêtres ainsi que celle des diables et des sorciers, sans trouver une explication plausible ni acceptable. Jusqu'à présent, il n'y a aucun rêve que nous n'ayons pu interpréter, mais celui de Sa Majesté est tellement différent des autres rêves. Ce rêve est un grand mystère pour nous. Un rêve qui est insolvable et inexplicable, qui nous a complètement déroutés. Nous n'avons trouvé aucun lien entre vos rêves et toutes nos connaissances. Tout ce que nous avons pu conclure est que la vache, dans la mythologie égyptienne, est le symbole d'une année. C'est tout. Une année. Une année. Une année. Le Nil a donné naissance à un moustique. Et la montagne a donné une souris.
Est-ce l'interprétation de mon rêve? Alors la vache symbolise une année? Hmm? À toi, Yuzarsif. C'est ton tour. Quelle est donc ton interprétation? Ce n'est pas une interprétation, car votre rêve est plutôt une prédiction. L'interprétation est fondée sur des suppositions subjectives et peut ne pas se réaliser, tandis qu'une prédiction est basée sur une réalité dont l'origine est divine. C'est pourquoi ce que je prédis va se réaliser sans aucun doute, et rien ne peut changer ou modifier cette réalité. D'où te vient toute cette confiance, Yuzarsif? Tu sembles très sûr de tes prédictions. Dieu m'inspire et m'apprend tout. Dieu est mon unique guide et c'est lui qui m'a appris l'interprétation des rêves. Ce que tu viens de dire est de la prétention pure. Et tu as un long chemin pour prouver ta prédiction. Ce que vous prétendez, toi et ton Dieu, sont de vagues suppositions. Et c'est bien clair. Si vous me permettez, je vais divulguer quelques détails pour prouver la vérité de mes prédictions afin de montrer à tout le monde le pouvoir de mon Dieu. Si le vénérable Anekmaou ne voit pas d'inconvénient, j'aimerais interpréter le rêve avec lui. Un de vos magiciens a dit que la vache était le symbole d'une année dans la mythologie égyptienne. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Nous n'avons pas aucun doute. Êtes-vous d'accord avec moi que le rêve des vaches et celui du blé sont semblables et cachent la même vérité? Je crois que vous avez raison. Les tiges vertes du blé ne sont-elles pas un signe de fertilité et d'abondance, alors que les tiges sèches sont un signe de sécheresse? Je ne vois pas du tout une autre explication. Si nous prenons en considération tous ces signes, nous pouvons conclure que l'Égypte va avoir 7 ans de fertilité et d'abondance, suivis par 7 ans de sécheresse et de famine. Bravo! Je te félicite, Yuzarsif. C'est la meilleure interprétation que j'ai obtenue jusque-là. C'est certainement la meilleure interprétation. Je ne peux que respecter et admirer Yuzarsif. As-tu vu, vénérable Anekmaou? Je ne t'ai-je pas dit auparavant que ces magiciens sont un groupe d'arrivistes et de menteurs? Ils se basent sur leurs imaginations fertiles pour inventer... des interprétations qui n'aboutissent à rien. Cette interprétation peut être correcte. Alors qu'une prédiction qui pourrait être loin de la réalité ne peut pas être considérée comme très sérieuse. Avez-vous jamais entendu que le Nil a cessé d'arroser la terre d'Égypte et de faire vivre son peuple? Cette prédiction convient au pays qui se trouve au sud de l'Égypte. Et surtout pas à une terre qui est connue par sa fertilité grâce au Nil. Et pourtant, vénérable, il nous est parvenu de nos ancêtres que le Nil a séché plusieurs fois dans le passé. Au point que même les oiseaux ne pouvaient plus étancher leur soif. Votre Majesté, même si la prédiction de Yuzarsif est tellement invraisemblable, il ne faut pas négliger une telle éventualité, et il faut commencer à prendre les précautions nécessaires. Cette prédiction nous montre qu'un grand danger menace l'Égypte dans un avenir proche. Que devons-nous faire?
La seule solution est de cultiver les terres durant les 7 années d'abondance et mettre en réserve les récoltes pour les années de famine pour sauver le peuple. Magnifique. Tes paroles sont pleines de sagesse. Ta solution est aussi parfaite que ton interprétation. Ceci veut dire que les prochaines 14 années de notre royaume vont dépendre d'une vision? Pourriez-vous nous suggérer une meilleure solution? Supposons que cette éventualité pourrait survenir. Ne devons-nous pas faire un effort pour sauver le pays d'un tel danger? Bien sûr. Mais d'autre part, il faut bien aussi prendre en considération que 14 années sont trop précieuses pour être sacrifiées à cause d'une simple vision. Nous ne devons pas dépenser tout l'argent pour nous préparer à cette catastrophe qui pourrait ne pas arriver. Il est quand même censé de se préparer et de prendre des précautions. Et si cette prédiction se réalise? Si nous ne prenons pas les mesures convenables, comment ferons-nous face à la famine? C'est une chance que d'être avertis pour que nous puissions être préparés. Maintenant que nous en sommes conscients, nous pouvons repousser ce danger qui nous guette. Nous devons surtout remercier Yuzarsif parce qu'il vient de nous avertir d'un tel danger. Nous remercions aussi le dieu de Yuzarsif. Parce qu'il a de la compassion même pour ceux qui ne croient pas en lui. Je crois que vous avez tous su l'histoire de l'innocence et de la grandeur d'âme de Yuzarsif. Et aujourd'hui, vous avez été témoin de son intelligence et de sa sagesse. Vous avez dû constater aussi qu'il est doué d'une grande clairvoyance. Dès aujourd'hui, il sera considéré l'un des nôtres. Yuzarsif va être nommé au plus haut poste. Il va devenir notre premier conseiller. Aujourd'hui, je suis heureux. Pour cela, je ne vais pas punir les magiciens afin de ne pas gâcher ma joie. Nous avons tous assisté à la déchéance des dieux d'Égypte, ainsi que les prêtres et les magiciens du temple d'Amon. Et vous avez constaté qu'il y a un dieu beaucoup plus puissant que le dieu Amon. Maintenant, rassemble tes hommes et sors d'ici avant que je ne donne libre cours à ma colère. Tu n'es qu'un vieil homme imbécile. Tu n'as pas pu fermer ta gueule avant de prononcer tes commentaires stupides? Tu vis grâce au bien d'Amon et tu le rejettes pour son ennemi? Mais ses interprétations étaient parfaites et il fallait être juste et l'admettre. Qui t'a demandé de prendre la parole, imbécile? Pourquoi n'as-tu pas tenu ta langue comme les autres? Pourquoi as-tu montré à notre ennemi qu'il avait raison? Tu viens de nous trahir, espèce d'idiot! Vénérable Anekmao, pourquoi frappez-vous les magiciens du temple? Bah, diamant! Oui, vénérable. Prends-le loin d'ici. Au secours. Arrêtez, arrêtez. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas trahi. Pardonnez-moi, vénérable. Grand prêtre, pardonnez-moi, ayez pitié de moi, je vous en supplie. Le temple d'Amon et ses prêtres n'ont jamais dû faire face à une telle disgrâce. Sans doute, ce grand scandale ne va pas tarder à circuler dans toute l'Égypte. Les gens vont dire que le dieu de Yuzarsif, cet hébreu, un dieu unique, le dieu de ce berger et de cet esclave sauvage, est plus puissant que notre grand dieu Amon, le dieu des dieux. Ils vont dire aussi que Yuzarsif, ce jeune homme sans expérience, a pu finalement vaincre les grands magiciens du temple d'Amon et de toute l'Égypte avec son interprétation. Surtout que les Égyptiens honorent et respectent les magiciens.
comme s'ils étaient leur propre dieu. Amon, dieu des dieux, ayez pitié de nous. Combien de temps encore allons-nous vivre les conséquences de ce scandale ? Excuse-moi, est-ce que tu es un des serviteurs du palais? Qu'est-ce que tu veux? Joseph, désolé, est-ce que tu connais Yuzarsif? Qu'est-ce que tu veux de lui? Est-ce qu'il se trouve au palais en ce moment? Probablement oui. Écoute-moi, je suis un ancien ami à lui. Toi? Un ami à Yuzarsif? Malek. Malek, le fils de Zar. Dis à Yuzarsif que Malek l'a cherché pendant plus de 20 ans. Selon l'interprétation de Yuzarsif, nous devons nous attendre à une grande famine dans les années à venir. Il faut alors anticiper et trouver une solution. Nous devons trouver la personne adéquate qui soit à la hauteur de cette responsabilité et qui soit un homme de confiance. Je m'adresse à vous, les nobles d'Égypte, et je vous demande si vous connaissez un tel candidat. Oui, oui, nous connaissons quelqu'un. Potiphar est le meilleur candidat. Il a beaucoup d'expérience.